Voilà, je pense que comme ça c'est mieux. Mais je sais même pas en vrai si on le voit. Wesh, on le voit même pas dans le retour. Wesh, sur l'écran on le voit même pas. Une blague. Je vous jure qu'il y a de la lumière normalement. Mais what the fuck? Mais je comprends pas, il y a une lumière lumineuse, pourquoi la caméra le voit pas? Ah si, vous voyez là. Ok, salut la team, je suis allé bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc comme vous aurez compris, aujourd'hui c'est l'incroyable confinement. Donc c'est parti, place au jingle. Oh. Donc vous êtes nombreux à m'avoir envoyé vos vidéos, d'ailleurs merci beaucoup à tous ceux qui ont joué le jeu et participé. Bon courage et bonne chance à tous, comme on peut dire. Du coup, je vous avais parlé sur Instagram et YouTube de faire 3 vidéos. Finalement j'en fais que 2 parce que 3 je pense que ça va être trop long. Parmi cette vidéo, vous allez devoir commenter dans les commentaires, l'espace commentaire c'est très important pour me dire pour vous quel est le meilleur et pour qui vous voulez voter. C'est très simple, c'est dans l'espace commentaire que tout va se passer, ok? Je fais des gestes avec mes bras, je sais pas pourquoi on dirait que je fais de la tectonique alors que je suis pas la tectonique, bref. Donc dans la prochaine vidéo on saura qui est le grand gagnant pour gagner du coup le cadeau. Donc qu'est-ce qu'il y a à gagner? C'est très simple, vous allez gagner mon programme Workom, ok? Si vous ne connaissez toujours pas, allez le voir dans la description. Du coup, un suivi personnalisé, donc à plus de 100€ pendant un mois, je vais vous accompagner à atteindre votre objectif. Et qu'est-ce qu'il faut quand on veut atteindre un objectif? Des fois on a envie de petits plaisirs, des petites choses en plus pour le sport. Et ben il faut des boissons ou alors des barres protéinées. Justement, Noco et Barbels nous accompagnent. Vous allez gagner un pack de chez Noco ou Barbels, je sais pas, je vais voir avec eux. On va voir ce qu'ils vont vouloir vous envoyer. C'est très simple. Donc ce serait une surprise. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut à la fin de la transformation quand vous avez réussi à vous transformer? Il faut des beaux vêtements pour sentir bien dans son corps, que vous êtes fier d'avoir fait votre transformation. Hop, c'est parti. Mason nous accompagne aussi, du coup, vous donne un bon d'achat de 50€. Vous pourrez aller voir d'ailleurs sur leur site, il y a plein de vêtements pour hommes et pour femmes, ils font des super belles tenues et dedans, on se sent trop bien, j'ai l'impression d'être dans un pyjama. Et bien sûr, à côté de moi, j'ai le Golden Buzzer, les gars. Ça veut dire qu'à tout moment, dès que je vois quelque chose qui m'intéresse et que je veux absolument voir cette personne en finale, donc dans la deuxième vidéo qui sera la dernière, j'appuie dessus et croyez-moi que du coup, cette personne sera en finale sûr et certain. Et bien sûr, parmi les 3 gagnants qui vont gagner cette vidéo, donc parmi ceux qui aura le plus de votes, vous allez devoir refaire une vidéo pour vous affronter, pour savoir qui est vraiment le best du incroyable confinement, les gars. Ok, on va commencer avec un petit tour de magie et c'est parti. Hop, je coupe le son, démonétisation, les gars. Ok, donc il met une petite boulette sur le verre au-dessus. Ok, il met le gobelet vers dessus et là il claque des doigts. Oh, stylé. Ok, donc là nous avons premier de la magie. D'ailleurs, si vous ne savez pas, j'avais une passion pour la magie quand j'étais petit. Vous n'avez toujours pas vu ma vidéo sur la magie, allez la voir. Bon bah écoutez, du coup le petit tour de magie, simple mais plutôt efficace je trouve, plutôt cool. Vous mettez son nom, c'est aussi simple que ça. Mais vous n'avez pas droit de voter pour plusieurs personnes, vous votez pour une seule personne. Oh mais attendez, j'allais oublier le petit micro. C'est très important, ok, aujourd'hui nous sommes en incroyable confinement. Donc j'espère que vous êtes prêts, vous êtes chauds derrière vos écrans. J'en fais un peu trop. Ça fait beaucoup là, non? Prochain talent. Ok, ça y est, nous là nous avons du coup une fille, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Qu'est-ce qui va se passer? C'est parti, on regarde. Ok, elle a son doigt. Sa main. What the f... Oh. Ok, elle arrive à casser son doigt. Eh, regardez bien ça les gars. Voilà. C'est grave dégueulasse. Il est content. Allez, prochain talent, c'est parti. You. Allez, c'est parti. Donc là, qu'est-ce qu'on voit pour l'instant? On peut analyser. On voit que c'est dans une maison. Là, il y a un piano devant nous. Donc peut-être qu'il va faire du piano. Pas du tout, vu qu'il y a beaucoup de bordel dessus. En fait, un piano de nos jours, en fait, c'est même plus un instrument de musique, mais plus un nid à bordel. C'est génial! Oh putain, la vidéo, je jure, j'en ai regardé presque aucune parce que je voulais vraiment me laisser le suspense. Et merci à toi. J'ai adoré, les gars, vous en pensez quoi? Moi, personnellement, j'ai adoré. Il y avait trop de trucs, il y avait trop. Donc il y en a plein qui n'ont pas osé m'envoyer des vidéos parce qu'ils avaient peur justement en fait que je trouve ça nul ou qu'il n'y a pas de talent. Mais vous voyez, en fait le but c'est de me faire rire. Moi personnellement, vous avez juste à me faire rire et c'est bon. C'est un crabe talent, c'est pareil, des fois il y a des gens qui font des trucs de merde, mais vu que c'est drôle, bah les gens votent pour eux, tu vois. Allez, prochain talent, c'est parti. Ok, la vidéo c'est parti. Ok. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous montrer comment mourir pour avoir 200€, même si ben, ça va me servir à quoi de... On s'en fout. Bref, voilà quoi. Comment mourir? Donc déjà tu vas monter sur tes twills. Les twills là, tu vas monter sur les twills. Donc déjà, si tu te demandes, j'ai 15 ans, j'ai pas 12 ans. Quand t'es monté sur tes twills, hop, ouf là là, t'es debout. Ben là, ben, tu peux sauter. Et mourir.
cloche, pourquoi tu fais faire des vidéos comme ça, mon fils, il va crever à cause de toi. Ce participant, merci à toi d'envoyer cette vidéo, mais vraiment ne votez pas pour lui parce qu'en aucun cas je le ferai passer en finale. Cette petite vidéo, c'était cool, je sais que t'as pas sauté, voilà, j'espère. Ah non, je suis mort, putain. Bon bref, les gars, y'a rien à dire, on passe au prochain talent. Ah putain, il m'a dead ce con. Bon du coup, prochain talent, c'est parti. Donc là, c'est mes sœurs, elles m'envoient une vidéo, je sais pas du tout c'est quoi. On va regarder ça ensemble, c'est parti les gars. Attends que je verrouille le truc, attends. Ok, salut la team. Alors aujourd'hui, on va vous montrer notre incroyable talent. Oui, donc on commence par qui? On va commencer par moi. Ok, donc, commençons la caméra. Ah oui, c'est bon, vas-y. Alors, vous allez voir, vous allez vous dire c'est super simple. Mais essayez ça chez vous, vous allez voir que c'est impossible et que c'est totalement incroyable. Donc la plupart des gens s'assoient comme ça, moi je m'assois toujours comme ça, voilà. Donc regardez, ça forme un angle droit. Ah oui, c'est vrai, c'est vers ça. Et les genoux sont posés au sol, c'est complètement incroyable, non? C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Essayez ça chez vous. Essayez, ouais. Allez pas me le dire deux fois. Comment ça, je sais pas faire ça, moi? Ok, regardez bien, incroyable, je sais faire. Ah, c'est impossible. Et ensuite, bah le mien, je vous le montre comme ça en live. Okay. Tu peux me tenir, s'il te plaît. Donc regardez bien. Regardez. C'est un truc. Ah oui, c'est vrai, ma sœur, elle est trop chaude pour ça. Sur l'œil. Mais vraiment, et je peux faire les deux en même temps. Regardez. C'est je tiens pas. C'est un truc de ouf quand même, non? Bah, c'est un talent comme un autre. C'est incroyable. Mais voilà, votez pour nous. Votez pour nous. Oh putain, attendez, il faut que j'essaye l'œil. Ouais, c'est impossible. Voilà les gars, y'a rien de compliqué, allez prochain talent. Ah donc là, prochain talent, nous avons le frérot qui nous envoie une petite vidéo que je ne sais absolument pas c'est quoi. Donc on va regarder ça tout de suite, c'est parti. On est en confinement, Anto il m'a demandé de lui envoyer une vidéo de talent. Mais j'ai pas de talent, en espérant que vous allez, que quand même je passe à la prochaine vidéo. Mon talent c'est, j'ai plus de cheveux. Excellent. La chute est incroyable. Je m'attendais, je sais pas, je m'attendais à un truc, je sais pas, franchement, un truc stylé de ouf. Il dit j'ai pas de talent. Et il monte son crâne d'œuf. Allez, c'est parti, prochain talent. Donc prochain talent, donc là nous avons. Donc là maintenant. J'arrive plus à parler. Oh non, je l'ai cassé. Oh non, ma chaise, ça fait des années que je l'ai. Bon, prochain talent, nous avons Alexandre, mon frérot, c'est un ami d'enfance, donc c'est parti, qu'est-ce qu'il nous a fait comme vidéo? Bon, là, j'avoue, je l'avais déjà vu avant. Ok, c'est parti. Oh putain, ça me tue. En fait, quand vous connaissez le personnage, vraiment, moi, je le connais, mon pote, quand vous connaissez le personnage, les deux assimilations avec Marc Simpson et mon pote ne vont pas du tout ensemble. Talent suivant, c'est parti. Ok, donc là mon frérot, Marien. Ok. Donc il a fait 40 pompes avec un tempo, donc ça veut dire que c'était pas tout le temps une pompe, c'était genre des fois tu restes au milieu, tu restes en bas, tu restes au milieu, tu restes en haut. Donc c'est grave stylé, donc voilà, donc son talent c'est de faire des pompes, de pomper. Il a fait ça de l'acte de merde, il est content. Bisous à toi frérot d'être passé par là. Allez, prochain talent, c'est parti. Donc, mademoiselle Céline qui nous envoie une vidéo. Donc là, elle est debout, elle a l'air un peu paniquée, un peu quand même, mais bref, vas-y, on passe à la vidéo, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Ok, c'est parti. Wouah. Avec le petit smile à la fin qui fait plaisir. Mais wouah, ça me fait tellement peur, ça, le grand écart comme ça. D'ailleurs, allez voir sa chaîne YouTube, Bicéline, elle fait des vidéos, franchement elle est folle un peu dans sa tête, mais c'est drôle. Donc allez voir ça. Talent suivant. Ok, donc là nous avons Arthur, un frérot à moi, du coup qui nous envoie une vidéo. Ok, il est en train de dormir, il est très chaud lui en plus. Ok, petit salto au calme, tranquille. Il prend son petit déj. Rosalto, oh stylé, en plus il a fait un peu de montage et tout. Il a géré, wow. Direct il arrive. Oh le front, oh il colle chaud le frérot. Ah il est chaud, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Le petit drapeau tout ça. Ah ouais, il est chaud. Qu'est-ce qu'il fait? Le mec est trop stylé quoi. Bon. Ah ouais, il nous a fait un vrai bail. Ah ouais, oh là 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 là. Ah il me dead carrément, mais non. Oh les gars, je buzz direct.
Les gars, franchement mec, t'as géré gros, elle est trop stylée ta vidéo. Non franchement les gars, je le connais, j'ai pas buzzé pour lui parce que c'est mon pote, mais vraiment les gars, la vidéo est vraiment clean, il s'est vraiment fait chier. Elle est trop stylée, respect mon gars. Allez, prochain talent, bah franchement celui-là il est cool. Donc nous avons Nesso Bike. Allez vous abonner à sa chaîne YouTube, sa petite pub tranquille, au calme. Ok, qu'est-ce qu'il nous a à faire? Ok, donc il fait du vélo pendant le confinement. Ok, c'est stylé en vrai. Propre mon gars, court mais c'est stylé. Bon, sur la terre ce sera pas pareil que là dans ton lit, mais c'est franchement c'est stylé. Allez, prochain talent. Prochain talent, là ce que je vois c'est JC Prod mon frérot, d'ailleurs allez suivre sur YouTube si vous le suivez toujours pas, il fait de la moto, il est trop chaud. Enfin bref, du coup là il nous a fait une petite vidéo, on va regarder ça tout de suite, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a à nous proposer? Ok, de la trotte. Par contre je tiens à préciser frérot que les skaters et les trotty riders ne sont pas ensemble, ils aiment pas, ils s'aiment pas entre eux, donc fais gaffe mec. Je rigole. On ressort les anciens bails, donc c'est parti, quelques tricks juste pour toi, pour les talents des abonnés. C'est parti. Ah il a mis la petite musique, il est gentil le frérot. Il a entendu avec les sentiments là, il veut que je buzz hein, en fait, hein, c'est ça clairement. Yes. Ok. Il est chaud salon, il était chaud en trot hein. Il faisait des backflips et tout en trot ce fou. Ah le petit salto qui fait plaisir tu connais. Ah ouais le nose manual. Ah ouah le salto il était énervé. Waouh, il a lâché un gros backflip sur le mur là. Bon voilà frérot, rien de très ouf mais j'espère que ça t'aura plu quand même. Oui mec. Oui aussi je sais faire le bruit du canard. What? Bon, abonne-toi à Warbody si tu vois cette. Oh le buzzer vient de se mettre tout seul, les gars. Ça veut dire que JC Prod a été buzzé tout seul, mon gars. JC Prod, il a buzzé pour toi, là. Allez, c'est parti, prochain talent. Ok, c'est parti. Nous avons Alexis qui nous envoie un montage. Qu'est-ce qu'il nous a fait? S'abonner. La petite cloche. Ah, il fait plaisir, il fait la petite promo, le frérot. Donc là. Oh. Ah bien sûr, Albata il nous a mis un pouce rouge. Ok c'est la fin de la vidéo, ok. Donc merci à toi Alexis. Donc voilà c'est la fin des talents, je suis désolé j'ai pas dû tout mettre parce que j'ai des problèmes avec les envois par mail. Ça j'ai eu quelques petits problèmes pour les ouvrir, je suis désolé. Mais en tout cas merci à tous ceux qui ont joué le jeu, c'était grave super. Franchement moi j'ai adoré les gars, moi j'ai adoré. Franchement si je pourrais faire ça plus souvent, j'ai hâte de savoir qui va gagner ce 5 rap confinement les gars. Franchement c'est grave stylé, j'adore, c'est grave cool. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Mettez un petit like si vous avez bien aimé cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne YouTube s'il vous plaît les gars. On est de plus en plus nombreux, ça fait trop plaisir. Voilà, je vous fais plein de bisous. Merci à vous et n'oubliez pas. Surtout c'est le plus important les gars. Ouais vous le savez, vous allez le dire, vous savez. Prenez soin de vous la team. C'est comme ça qu'on finit une vidéo putain de merde. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps car j'ai besoin de mailles. Je veux beaucoup d'argent, je veux pas être sur la paille. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps.